Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo plutôt cool, puisque ça concerne un nouveau stuff haut, une variante un peu du stuff haut précédent que je vous avais montré. Celui-là, c'est un mode du coup un peu plus différent, donc je vais vous le montrer de suite. Au niveau des statistiques, vous voyez en chance, on a pratiquement 1000 de chance. Donc c'est plutôt pas mal. Et en vitalité, on a 5200. On a plus de 5200, donc c'est vraiment simple, super. Au niveau des statistiques, du coup, on est à quand même 88 d'esquive PA sans trophée, donc c'est plutôt cool. 50 d'esquive PM sans trophée, pareil. Bon, là, faites pas attention, j'ai un bonbon soin, c'était pour le PVM. On a 6 invoques, donc c'est correct. Et on a 133 de dommages hauts, donc c'est plutôt sympa. Et après, au niveau des résistances, vous les voyez là, je vais vous les montrer là. On a à peu près entre 20 et 40% partout. Voilà, donc ça c'était pour le mode. Les statistiques. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les sorts. Donc là, bon, les sorts que j'ai mis, c'est comme d'habitude. Voilà, on privilégie plus la résistance naturelle pour le PVP, pour garder son crapaud en vie parce qu'ils sont fragiles. Après, ouais, bon, forcément, le crapaud, vous mettez ce que vous voulez. Là, je vais vous montrer avec le blanc. Voilà, après, mettre le relais, ça peut être utile sur le crapaud vert. Plutôt jouer piqûre que favo quand on est aux AO. Et du coup, on est obligé d'avoir le geyser et pas la communion. Voilà. Du coup, au niveau du stuff, c'est ce qui nous intéresse, hein. Enfin, c'est ce qui vous intéresse, j'imagine. Donc, au niveau du stuff, on a une amulette chocotte, voilà, avec de l'exorèse. Bon, on a le bracelet des fonds marins PA, la Glourson PM, le sceptre du roi joueur. Bon, là, il manque un exorèse, il m'en faudrait un. Le bouclier d'Ilisael Exo Invoque, très important. Parce que c'est lui qui vous donne les résistances haut qu'on n'a pas trop avec le stuff. C'est pour ça qu'il faudrait rajouter de l'exo haut sur le set du roi joueur d'ailleurs. Du coup c'est en plus le bouclier donne de la vie, donc ça va parfait avec le mode haut vita. On met le trophée chance majeure pour gagner un peu de chance, mais on peut le remplacer par le trophée 300 points de vie pour monter à 5500 points de vie. Ensuite bon, la capuche de l'œil attentif, la cape de l'œil attentif, le poulpagne invoque, les sinistres fous invoque, et le doge, je sais pas comment on dit, 400 vitalité, 10% haut, parce qu'il nous manque des raises haut. Donc c'est un mode qui ressemble un peu à celui que je vous avais montré, juste que celui-là, il y a en gros le bouclier, les trophées et le familier qui change. Et en fait ça change que on est plus axé sur la vitalité, donc le tanking, parce qu'il faut tanker pour faire tenir les crapauds. Donc ça c'est un autre mode intéressant qui peut être sympa à faire. Vous voyez, c'est pour faire tenir le plus longtemps l'osa pour que les crapauds soient placés. On tape quand même pas mal avec le geyser, vous voyez. On fait du 500 à peu près maximum. On fait du 400 et du 500 en CC, pardon. Donc ça fait à peu près 200 s'il y a 50%. Et voilà, c'est plus pour se booster. On a l'onde aquatique, du coup vous voyez qu'on fait quand même du 500 avec l'onde aquatique. 500 c'est quand même pas rien. C'est quand même du 250, 300 selon les résistances du gars, sachant que il aura peut-être pas 50%, donc plus vers 300, 350. Voilà. Au niveau du CAC, je vais vous montrer, mais bon, c'est pas spécialement pour taper au CAC. Voilà, on fait du 500. Ça peut être sympa pour regagner un petit peu de la vie, parce qu'il y a du vol de vie, mais... Voilà, c'est pas le but de taper au cac, hein. On va utiliser surtout nos sorts, vous voyez. Voilà, en plus on a le Dofus Emerald pour quand on est au cac. Donc là on est vraiment sur un mode haut tanky. On va regarder un petit peu avec les invocations. Donc on va commencer avec le crapaud baveux, hop là. Donc le crapaud baveux, il tape quand même du 440, c'est quand même pas rien. Hop là, on va se transformer, on envoie une onde aquatique pour voir un petit peu les dégâts du crapaud. Donc il peut taper deux fois.
Il tape quand même du 600 x 2 avec l'onde aquatique, c'est plutôt cool. On va regarder avec la piqûre combien il fait. On va regarder un petit peu les dégâts de fouet. Regardez, hop là, on fait quand même du 300. On fait à peu près du 300, donc c'est plutôt sympa. Là voilà, le crapaud qui fait du 790, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, là, ok. On tape, ben on va l'achever et on va changer de punch, comme ça je vais vous montrer le crapaud blanc. Allez, on change de punch. Du coup, on se retrouve. Alors, j'envoie l'albinos, hop là. On va envoyer une onde aquatique et on va envoyer l'union animale. On va regarder un petit peu les dégâts du crapaud. Allez, c'est parti, on envoie 650 x 2, c'est quand même pas rien. On va envoyer un coup de fouet et un coup de piqûre pour voir un petit peu ce que ça donne. On envoie du quand même 892 x 2, 900 x 2. Le souci, bon, vous le connaissez, c'est qu'il ne peut pas se déplacer. Voilà. On va quand même continuer encore un petit peu les dégâts. On va se transformer, hop là. 1145 avec l'onde aquatique, 1115 avec l'onde aquatique, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal de dégâts. On va mettre le crapaud baveux, donc on va les faire passer, on va mettre l'union, on va changer un petit peu avec le crapaud, je vais vous montrer parce que je ne vous ai pas montré avec le fouet. Allez, on met le fouet, on va mettre aussi le coup de fouet ici. Sur l'albinos et on va mettre la piqûre et on va remettre un albinos. On va voir combien on va voir si on arrive à le kill. Est-ce que je mets une onde aquatique? Bon, allez, on met une onde aquatique, hop là, et on envoie un coup de fouet ici. Il reste 2400 points de vie. On va mettre un coup avec celui-là. Ok, 697. On va voir un petit peu avec le vert combien on fait. 1080. Bon, on fait du 2000 en gros. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que ça vous donnera encore des idées pour du stuff. Voici un deuxième stuff haut. Il y a un troisième qui arrivera bientôt. Un mode un petit peu anti-sacrieur. Je vous montrerai plus tard. À la prochaine les amis. Tchuss.